Mesdames et messieurs, bienvenue en direct sur Congo Live Télévision. Bienvenue à ce nouveau numéro de ce matin, jeudi 25 mai 2023. Nous recevons monsieur Hangi Moïse, militant de la Lucha. Moïse, bonjour et bienvenue. Merci et bonjour à tous qui nous suivent à pareils instants. Comment vous allez? Nous allons très bien au rythme de la nature. En tout cas, ça va très bien. C'est jeudi. Quelles sont les actualités à Goma et à l'intérieur de la ville? À Goma, à l'extérieur de la ville, il faut peut-être... À Goma d'abord, tout va bien? Un peu bien, un peu bien. On ne peut pas dire tout va bien parce que dans certains coins de la ville, les phénomènes 40 voleurs, donc la situation sécuritaire n'est pas très bien maîtrisée par les autorités. Et donc, il y a des petits, ça ne va pas dans certains coins de la ville. Dans les territoires Rutshuru, Masisi, M23 sont toujours là? Exactement, ils sont toujours visibles. Par exemple, au niveau de Rutshuru, les acteurs de la société civile ne cessent d'alerter les autorités comme pour dire qu'il faut toujours maintenir la vigilance et dans cette partie de la province, justement parce que tout n'est pas au contrôle. Il y a même là où les M23 continuent à faire payer des taxes illégales et sous certainement la barbe de l'autorité provinciale. Alors, on revient sur ces affrontements où on signale en tout cas les combats entre les groupes armés Nyantura et ceux de l'Alliance Patriote pour un Congo libre et souverain et céleste. Les combats qui se poursuivent dans les territoires de Masisi, il s'agit par exemple dans les villages de Kazinga, Makondero, Kabingu, Kachihiro, Pitoi. Il faut dire qu'hier mercredi matin, des sources dans la région ont parlé d'un calme apparent qui s'observe sur terrain. Mais débuté depuis le 19 mai dernier, ces affrontements ont provoqué en tout cas les déplacements massifs des habitants des villages précités. Selon le député provincial Barunga Alexis, qui alerte ces groupes armés, se disputent en tout cas les contrôles de plusieurs villages du groupement Nyamaboko premier, envie d'y percevoir des taxes et imposer leurs lois. Du coup, ce n'est plus contre la M23, mais maintenant les groupes armés se battent entre eux. Comment comprendre cela? Ça nous surprend et nous pensons justement que le problème, c'est justement parce que l'autorité de l'État n'est pas instaurée de ce côté-là et c'est la moindre des choses qu'on puisse faire. Quand les groupes armés font la loi sur une partie de la province et que les autorités semblent ne pas prendre au sérieux cette question, nous risquons de vivre les pires. C'est anormal qu'ils puissent commencer à se disputer comme si on était dans la jungle. Donc pour nous, c'est vraiment impérieux que l'autorité puisse faire tout son possible afin que l'autorité de l'État soit instaurée dans Masisi et partout à travers la province. C'est vraiment de la responsabilité de l'État congolais de faire cela. Et l'État a tout le moyen possible, l'État a tout ce qu'il faut pour certainement faire ça. Où serait aujourd'hui les M23? Les M23 est en train de vouloir, je vais dire, jouer au malin. Justement parce que ce qui est sûr, ils donnent l'impression de s'être retirés dans différentes zones. Ce qui est vrai, ils se sont retirés de part et d'autre, mais pas définitivement. On apprend aussi que certains de ces éléments seraient en train d'être cantonnés au niveau de la province du Maniema. Notre section d'ailleurs de cette contrée de la République a alerté les autorités sur ces phénomènes-là. Et il y a même une pétition qui circule maintenant pour demander au président de la République de ne pas en tout cas s'aventurer dans ces genres d'affaires, justement parce que ces éléments du M23 ne sont pas crédibles, ils ne sont pas sérieux. On peut les cantonner pour le moment et demain ou après demain, ils vont encore ressurgir et c'est la République qui en paiera le lourd prix. Mmh.
Alors, il faut quoi alors? Parce que normalement, est-ce qu'il ne se retire pas ou bien ça se passe comme avant, concrètement? Il se retire à moitié. Donc, certains éléments restent et d'autres partent avec justement les troupes de l'EAC. Parce que ceux qui sont, par exemple, au niveau du Maniema, selon les informations en notre possession, ils sont sécurisés par les troupes de l'EAC. Donc, les espaces dans lesquels ces éléments sont exactement sécurisés par les troupes de la force régionale. Mais maintenant, ceux qui sont là, tant mieux. Mais maintenant, il y a d'autres qui sont restés dans différentes agglomérations et qui font la loi. Par exemple, dans les territoires de Rutshuru, il y a des endroits où le M23 continue à faire payer des taxes. Il faut demander aux motards et aux chauffeurs des différents véhicules pour certainement comprendre ce que je vous dis ici, monsieur le journaliste. Et ça se passe comment là? Parce que vous semblez maîtriser la situation. Nous faisons de notre mieux pour nous informer et la Lucha a en tout cas des sections partout à travers la province et partout à travers les pays. On est même à travers le monde et nous ne cessons certainement d'échanger avec nos compatriotes qui sont dans ces zones et ils nous donnent peu à peu certaines informations qui du reste restent également à vérifier. Mais vraiment, tout n'est pas maîtrisé par les autorités et on ne peut pas commencer à se frotter les doigts croyant qu'on a gagné cette guerre. Le M23 demeure toujours malin et peut nous contraindre d'un moment à l'autre. Alors, les Rwandais ne déploient plus selon vos sources? Les Rwandais ne déploient plus, en fait, ça c'est une interrogation qui est aussi de notre côté, justement parce que nous sommes en train de nous demander comment expliquer que le M23 nous a dit s'être déjà retiré, mais certains éléments de ces mêmes groupes armés font la loi. Ça veut dire que c'est possible que le Rwanda de M. Paul Kagame continue à ravitailler ces groupes rebelles et terroristes. Donc cette hypothèse n'est pas tout à fait fausse à notre avis. Alors, il faut quoi? Parce que ce qui continue... Est-ce que pensez-vous que notre gouvernement se prépare aussi par conséquent? Parce qu'il y a les 23 qui semblent refuser de se retirer. Maintenant, on ne sait pas que fait le gouvernement. Le gouvernement semble perdre de vue. Dans le sens que, apparemment, nos gouvernants donnent trop de crédit aux déclarations des responsables du M23. Pendant que d'aucuns ignorent que les terroristes n'ont jamais été sincères. Les rebelles n'ont jamais été crédibles. Ils vous disent X choses, mais sur terrain, il faut Y. Et donc, nous pensons que les autorités ne devraient pas trop se fier aux déclarations, aux différents communiqués de ces groupes rebelles, parce que c'est un groupe rebelle qui est vraiment qualifié en cette matière. Et la moindre des choses à faire, c'est de mettre définitivement en déroute tous les éléments du M23. Ça veut dire continuer à ouvrir les faits contre ces rebelles et ne pas trop s'attendre aux clauses des différentes assises ou aux différents accords que le gouvernement prend avec ces groupes rebelles. Non, jusqu'à là, vous savez, c'est pourquoi même vous avez suivi Kinshasa, qui reste campé sur sa décision. Le gouvernement congolais, en tout cas, ne fait pas négocier avec le M23. Mais quand le gouvernement nous dit ça, c'est quand même de la comédie, parce que ces terroristes qui sont cantonnés au niveau du Maniema, c'est après avis du gouvernement. S'il vous plaît, jusqu'à là, il n'y a pas de terroristes, disons, le M23 dans le Maniema. Il ne faut pas chercher à relayer des fausses informations et donner, s'il faut dire, les brèches à l'ennemi. La question qui est là, c'est de comprendre et de donner des stratégies au gouvernement pour mettre fin à cette question liée à l'insécurité, parce que les normes qui vous, c'est pour tous les Congolais, et les Congolais, tous ces Congolais qui vivent au nord, qui ont besoin tous de la paix, c'est ça. Monsieur les journalistes, nous sommes toujours
ni du côté de la République. Nous demeurons des nationalistes et des patriotes. Et nous ne pouvons que faire ce qui va dans ce sens-là. Mais quand il faut dénoncer et dire certaines choses telles qu'elles sont, nous ne voyons pas à quoi est-ce que nous péchons contre la République. Vous voulez dire que nos compatriotes de la société civile, nos amis de la lucha qui sont au Maniema et qui ne cessent d'alerter, ils sont en train de mentir. Je crois que la moindre des choses, c'est aussi avoir le courage de se dire certaines évidences. Donc, à notre niveau, nous pensons exactement que le gouvernement fournit assez d'efforts, mais lesquels efforts ne suffisent pas. Et beaucoup plus, le gouvernement donne l'impression de vouloir attendre trop, certainement, des clauses, des assises, qui du reste, ne garantit pas grand-chose. Donc, pour nous, nous demeurons toujours inquiets, messieurs les journalistes, et nous pensons que si le gouvernement n'agit pas, d'un moment à l'autre, M23 peut surgir, et ça nous l'avions observé maintenant là en 2023, pendant que ces mêmes groupes rebelles avaient été défaits en 2013. Donc l'M23, toujours dans les ils sont déjà dans les Maniema, c'est ça? Certains éléments sont cantonnés au niveau du Maniema, et des sources sur place confirment cette information, messieurs les journalistes. Le gouvernement lui-même est conscient de cela. Mais là n'est pas le problème. Le problème, c'est de savoir dans quelle mesure nous allons mettre fin, ensemble avec le gouvernement, à cette barbarie de ces groupes terroristes parrainés par le président rwandais Paul Kagame, le sanguinaire Paul Kagame. Alors, jusque-là, les Rwandais, donc quand vous dites cela, les Rwandais ne lâchent pas, apparemment. La même idée côté Rwanda reste celle de disons, soutenir les M23 parce qu'il y a eu plusieurs dénonciations qu'on a suivies, l'Union européenne, la Grande-Bretagne qui ont semblé demander au Rwanda de ne plus afficher son soutien aux M23. Exactement. Donc si vous, par exemple, pouvez dire que non, les M23 demain, c'est que nous les acquisons, alors que nous avons tout ce qu'il nous faut, tout ce qu'il y a comme preuve, je crois que c'est menace à jouer au jeu de l'ennemi. Le Rwanda appuie les M23 et tout le monde le sait. J'ai été très réjoui et j'ai d'ailleurs salué l'acte que le gouvernement a fait avant-hier, je crois, pour vous certainement porter plainte au niveau de la CPI contre certainement ses comportements belliqueux. Ça on va y revenir, oui, par rapport à exactement. Donc, ce sont autant d'étapes et autant de choses que nous saluons aux côtés du gouvernement. Justement, parce que si on laissait les Rwandais continuer avec sa barbarie, c'est vrai qu'on n'a rien que Kagame. Mais c'est faux. Kagame appuie les 1-23 et tout le monde le sait. Et donc, c'est déjà un très bon quelque chose. Cette plainte que nous avions adressée à la Cour pénale internationale. Et nous devons croire que cette grande juridiction internationale va se placer du côté de Congolais, va aussi ressentir cette douleur que les compatriotes de part et d'autre ressentent, que nos compatriotes qui ont perdu de l'air suite à cette barbarie de Paul Kagame vont se voir certainement rendre justice. Donc nous osons croire que la CPI va écouter la voix des Congolais. Et donc, merci au gouvernement pour cet acte. Il faut aller au-delà. On revient sur cette affaire. Mais il faut dire que ce n'est pas la première fois, monsieur Moïse. Le gouvernement saisit à nouveau la Cour pénale internationale contre les M23 et les RDF du Rwanda. Kinshasa a soumis une nouvelle situation de la RDC à la Cour pénale internationale. C'était en tout cas le mardi. C'est la ministre congolaise de la Justice, Rose Mutombo, qui a déposé une note de renvoi d'une situation au bureau du procureur de la CPI à La Haye. L'invitant a focalisé son attention et a initié les processus d'enquête contre la coalition RDF M23 dans l'est de la RDC. Cette note vise également des poursuites et des poursuites et la répression des RDF M23 ainsi que de toute autre personne impliquée à titre d'auteur ou de complice dans les actes et comportements illicites caractéristiques des graves violations du droit international humanitaire et des droits de l'homme à l'instant entre 2022 et 2023. Le gouvernement congolais reste profondément préoccupé par les souffrances
que subissent les populations de la partie de son territoire concerné par des actes faisant objet du pesant renvoi. Les exactions commises sur les civils et les pillages systématiques des ressources naturelles par les RDF M23, indiqué la ministre de la Justice, Rose Mutombo. Déjà en décembre 2022, lors de sa participation à la 21e session de l'Assemblée des États partis au statut de Rome, le gouvernement congolais avait réaffirmé sa coopération avec la Cour et avait invité son procureur Karim Khan à Kinshasa. Sauf imprévu, cette visite est prévue du 28 au 31 mai prochain. Le pays est parti au statut de Rome du 17 juillet 1998, instituant la CPI qu'il a ratifié en 2022. À cet effet, la RDC contribue activement à la mise en œuvre du statut et de tous les instruments internationaux qui concourent à son application effective. Voilà. Qu'est-ce qu'on attend de cette nouvelle, il faut dire, plainte, accusation, disons, appel de Kinshasa d'appeler, disons, de demander à la CPI de mettre en tout cas, de s'impliquer pour enquêter par rapport aux violations des droits internationaux, des droits humains commis par, des violations commises, pardon, par le Rwanda, la justice, son armée RDF avec les M23. En fait, pour autant qu'il ne faut pas ralentir l'approche ou l'aspect militaire, pour autant, il faut aussi juguler d'autres approches. Et c'est maintenant ce que le gouvernement, à travers la ministre d'État, ministre de la Justice, Rose Mutombo, fait maintenant là, saisir la CPI pour une seconde fois, c'est déjà un pas au cas où certainement cette juridiction va traiter au sérieux la dite question. Et nous pensons exactement que Kagame doit être contré sur tous les plans, non seulement sur le plan judiciaire, mais même sur le plan militaire. S'il continue en tout cas à parrainer le M23, on n'hésitera pas à demander au gouvernement un jour ou l'autre d'ouvrir les faits même contre les Rwandais, contre les petits pays, et si possible peut-être l'annexer à la République démocratique du Congo. Donc c'est déjà bon. Le gouvernement doit mixer les approches et faire en sorte que nous puissions sortir vainqueurs de cette guerre, surtout qu'elle a en tout cas pris la vie de nos milliers de compatriotes, et nous ne pouvons que rendre hommage à tous ces compatriotes en fournissant plus d'efforts afin que notre territoire soit sécurisé. Et pensez-vous que la CPI peut arriver, soit à porter, je sais pas, de lancer un mandat d'arrêt contre Kigali ou d'autres responsables, chefs du M23? Duralex, Sedlex, Kagame n'est pas au-dessus de la loi, et nous avions suivi tous récemment les rapports des experts du Conseil des Nations Unies. Ça veut dire la grande famille de l'ONU elle-même a reconnu ce que Kagame fait, et c'est le bon moment maintenant d'en tirer les conséquences. Et les conséquences, elles ne sont pas autres que de mettre la main sur ces messieurs qui déstabilisent la partie est de la République démocratique du Congo. Nous pensons que ça sera déjà quelque chose de très waouh. Donc on peut attendre une suite favorable, c'est ça? Exactement. Surtout que vers les mois qui suivent, les jours qui suivent, le procureur de la CPI sera probablement ici. D'accord. Ça sera aussi une occasion pour nous de relancer le même message et de l'alerter par rapport à la situation que nous traversons, parce que le monde ne peut pas demeurer indifférent face à la désescalade qui est vue la République démocratique du Congo. Nous faisons partie de l'ONU, et c'est quand même anormal qu'on puisse nous entretuer au vu et aussi du monde entier. D'accord, on finit par cette visite très attendue et très médiatisée, en tout cas du président Tshisekedi en Chine. Notre chef de l'État, accompagné en tout cas de la première dame, Nyakeru, est arrivé hier, mercredi soir, à Beijing pour sa première visite d'État en Chine. Objectif, redynamiser les relations bilatérales entre la Chine et la RDC. Voilà, qu'est-ce que vous attendez
parce que c'était une visite très attendue par les Congolais et très médiatisée aujourd'hui par plusieurs médias, que ce soit congolais, médias internationaux. En fait, nous nous demandons aussi pas mal de questions par rapport à ces rapprochements sino-congolais. Déjà, on a comme l'impression que le président de la République s'est levé à retard. Parce que Doké Nino, les partenariats qu'il y a eu et qui continuent à être entre nous, les États-Unis d'abord, et depuis belle lurette, on a tous constaté que les États-Unis nous ont abandonnés. Les États-Unis ne nous donnaient rien, en tout cas, en termes d'appui. Et que pour maintenant, le président de la République donne l'impression de se tourner aux côtés de la Chine. Nous nous demandons. Non, si... aller en Chine, ça ne signifie pas qu'il veut tourner les dos contre d'autres partenaires. Vous savez qu'il y a eu des contrats qui ont été signés sous Kabila entre la Chine et la RDC. La question est claire. L'objectif du président Tshisekedi en Chine est clair. Et ici, on précise qu'il est là pour dynamiser en tout cas les relations. D'abord, il faut les préciser. Mais il y a plusieurs choses qu'il faut savoir. Normalement, les deux chefs d'État devraient revoir les contrats signés sous Kabila. Le régime passé de Kabila à l'époque. Vous savez, aujourd'hui, les Chinois sont beaucoup plus dans la question minière au Congo. Tout ça, on doit revoir ça. Est-ce que pensez-vous que... Parce qu'à certains moments, ces contrats ont été dénoncés, la manière dont les Chinois traitaient les Congolais, la manière dont les Chinois exploitaient les minéraux au Congo. Est-ce que pensez-vous que cette fois-ci, parce qu'on voit un président Tshisekedi aussi qui est tellement déterminé à apporter sourire aux Congolais, est-ce que pensez-vous que cela on peut espérer ceci? En fait, vous dites redynamiser la collaboration entre notre pays et la Chine, c'est bien beau, mais en politique internationale ou dans les relations internationales, il n'y a pas d'amitié, il n'y a que les intérêts. Et que si le président aujourd'hui estime que c'est mieux de se tourner, je répète mon verbe, vers l'autre côté, tant mieux, mais je me dis que peut-être c'est trop tard. Est-ce que c'est par rapport au secteur minier, ça va nous avantager? Bon, je crois que le président Kabila, c'est parmi ceux qui l'a essayé un peu de rebooster. Il faut reconnaître la réforme du code minier. Ça a été inavancé, mais maintenant que Tshisekedi est là, c'est peut-être à lui de voir comment faire plus d'améliorations et faire en sorte d'accord. que la République démocratique du Congo puisse bénéficier de ses ressources et de ses potentiels, qu'il soit aussi plus prudent et stratège alors face à tous ses partenaires, parce qu'ils ne cherchent que leurs intérêts. Il ne faut pas croire qu'il y a des bons yeux à l'international. Chaque État ne cherche que ses intérêts, et nous devons faire autant avec la Chine plutôt que de se mettre juste là comme de petits gamins devant toutes ces puissances internationales. Merci. Lesquelles ne nous appauvrissent qu'à en dernier lieu. Merci beaucoup, Monsieur Hang. Nous arrivons à la fin de cet entretien réalisé en direct et en exclusivité sur Congo Live Télévision, jeudi 25 mai 2023. Mesdames et messieurs, merci, monsieur Moïse, d'avoir été là. Merci à vous, merci à tout le monde qui ne cesse de nous suivre, merci à tous les compatriotes et voilà, à la lucha. Numéro de téléphone. Plus 243. 99 25 42 946 ou le 089 12 87 456. Merci mesdames et messieurs, à très bientôt.